Gallegos, Wild Ranger, section camouflage, la Plica, Bronze Division, producteur de beat, gros beat. Ouais, j'ai commencé, j'avais 13 ans je crois, j'avais été voir Public Enemy au Palais d'Espoir. Et j'ai vu Terminator X tout en haut des platines là, avec un gros X comme ça, avec des grosses crashs. Je me suis dit, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse plus tard. Et après, j'ai acheté des platines bidons avec une petite table de mixage, j'ai commencé à scratcher. J'ai rencontré Roca, il était à l'école avec moi. Il était en seconde, j'étais en troisième. Après, je suis arrivé, tac, il est venu chez moi. J'ai balancé une instru, il a lancé un XLT. Moi, j'ai scratché, tac. On est restés ensemble, on a eu plein de trucs, on a fait des petits groupes avec des musiciens, des trucs comme ça. On avait un batteur, on avait un clavier, genre Fender Rhodes. Ouais, il n'y avait pas trop de machines, même pas du tout, mais on avait tout live. On avait fait des concerts avec des gars, des Brésiliens qui avaient un orchestre et tout, avec des gros trucs, tu sais, ils tapaient dessus là, avec un gars de dingue et tout. Après, on a roulé notre boss, on a continué à faire des sons, commencé à rapper, tout ça. On a rencontré après, moi j'ai connu Brian, il avait un magasin de disques. Il y avait Wing DJ. Et donc moi j'allais pêcher au Métis là-bas, donc j'étais DJ et tout, et après j'ai commencé à discuter avec lui, tac et tout, on a sympathisé. Lui il avait déjà créé Arsenal avec Chimiste et Daddy Larcy. Il avait déjà commencé à faire la clica, tout ça, il voulait un gars pour faire des scratchs. Donc moi je me suis mis là, tac, j'ai commencé à faire mes scratchs. J'ai rencontré après le groupe Étaphonique, j'ai ramené Roca. Et donc après, on a fait le plancher pour durer. On a fait là, je faisais pas de son, j'étais que DJ encore. J'avais même une petite intro qui était au début de Conçu pour durer. Et là, j'en suis vraiment fier parce que c'est un truc que j'ai fait avec Chimiste à l'époque qui était vraiment bien et j'étais vraiment fier de ça, quoi. Ouais. Après, j'ai commencé à faire du son. Mon premier son, c'était Rap Contact 1 sur la compil du vrai hip-hop. Arsenal représente le vrai hip-hop. C'était en 95. Après, j'ai enchaîné un titre pour Eastwood, un album d'hommage, un grand MC. J'ai fait un son pour lui, et featuring Eros, son gars, T.O.P. Et voilà, puis après, ce que j'ai fait, j'ai enchaîné le Roca, album de Roca. Là, j'ai fait plus de sons, j'ai fait 4 sons. Donc ça m'a permis de mieux m'affirmer avec ma personnalité, de m'affirmer dans mes sons. DJ, producteur de l'Africa, avec mes sons qui sortaient un peu du commun, quoi. Et donc je pense que j'ai fait mon petit trou quand même bien. Et entre 97 et 98, on a tourné avec Roca sur toute la France. Moi j'étais DJ au platine, j'avais ma MPC en live, je faisais des beats en live comme ça, c'était bien. Donc on a tourné pendant un an au moins. Après, en rentrant, j'ai fait l'album de Daddy Larcy, qui a pas trop bien été accueilli. Ouais, la promotion a mal été faite, l'album il s'est fait deux suites en deux semaines. Ouais, mais bon, on l'a fait quand même, ouais. Mais, voilà, on regrette rien. Quoi. Et de là, s'en est suivi la bande de l'Africa, 98-99. Voilà, là j'ai produit à peu près 13 morceaux et j'en suis vraiment fier. Même s'il n'a pas fait ce qu'on voulait qu'il fasse, c'est-à-dire une bonne percussion dans le mouvement hip-hop, mais je pense que ça va venir parce qu'on travaille dur. Bah, l'Africa, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, ça fait 6 ans, tu vois, qu'on est ensemble. On fait tout ensemble, on est en studio ensemble, tu vois, on a fait des tournées, tout machin, on a tout fait dans un intérêt commun, tu vois. Et maintenant, on a acquis un peu de maturité, tout ça, et chacun voudrait évoluer en solo pour développer son truc à lui, quoi, son concept à lui, quoi, et ouais. Pas un concept qu'on a en commun, tu vois. Donc en tout cas, pour toutes les mauvaises langues, tu vois, faut faire attention parce que t'as les productions qui vont arriver là. Et ça va faire mal.
me retrouve plus dedans quoi. Puis j'ai plein de choses à dire, et comme je sais pas écrire, bah, j'essaie de le faire ressentir dans mes musiques. Underground s'exprime mon gars, c'est normal, c'est comme ça, c'est là que se passent les vraies choses, c'est toujours dans l'underground. C'est le vivier des futures stars ici. Je voudrais faire une spéciale dédicace à tous mes gars, c'est-à-dire Roca, Mi Parcero, Noy, Ace, ma section camouflage, mon crew Brainwash, The Cree, qui m'a... c'est mon gars, Big Up The Cree, l'Américain, dédicace à Vong Division, 113, Mafia Kian Free, Ideal J, la Clica, mon crew, on présente.